ici, à Saint-Irénée. C'est mon oncle Noël, en gros, là, qui est comme l'investigateur, l'inventeur, le gars de maintenance, l'ingénieur de la pêche de l'anse au sac, avec évidemment ses frères, dont mon père et les autres frères et sœurs, même, ainsi que belles-sœurs et beaux-frères, qui ont participé à cette belle pêche-là. Mon oncle a commencé, puis son grand-père aussi en a fait un peu, puis il a commencé à la pêche voisine à l'époque, qui était installée au ruisseau Jureux de M. Fernand. Jeune, lui, il allait là, puis ensuite, bien, sa famille, ils ont décidé d'en faire une ici, à Lens, au Sac, près de la Pointe-au-Père. Donc, ils ont fait ça toute leur vie. Il y avait une ferme laitière aussi en même temps. Puis, bon, ben à 70 ans, 71 ans, mon oncle pensait peut-être arrêter. Puis, c'est là que j'ai dit, on continue la tradition et on reprend la pêche ancestrale. Reprendre la relève au moment où j'ai repris la, où j'ai pris l'entreprise de mon oncle, je n'avais aucune idée de la situation des pêches à fascines au Québec. Donc, je savais qu'il y en avait peu, je savais qu'il y en a beaucoup qui avaient été rachetés dans les années 80 à 2000 par le gouvernement. Maintenant, en l'apprenant, je me suis rendu compte qu'on n'était que 5 à pêcher qu'est-ce que nous on pêche là, comme poisson au niveau fédéral. Et là, cette année, donc 3 ans plus tard, on est 2 en activité au Canada. Donc, quand j'ai repris, je ne m'attendais pas à ça. Fait que maintenant, on a plein de projets autres que juste pêcher à tous les jours. Fait qu'il faut maintenir ça en vie, là. Fait que c'est sûr qu'on a quelques travaux à faire là, dans ce sens-là, quelques efforts supplémentaires à mettre là, pour garder la pêche en vie. Encore aujourd'hui, c'est une histoire familiale. Si j'étais seule, je ne ferais pas ce métier. C'est sûr et certain. On est tous les frères et sœurs de mon père, les beaux-frères, les belles-sœurs, mes cousins, mes cousines, mon frère. Tout le monde est là. On met la main à la pâte, la vente, la pêche, la nuit, aller faire les livraisons, appeler les clients. On est 3 sur le téléphone des fois au printemps pour la vente de Kaplan. 3 sur le téléphone, 5 qui emballent, 2 qui vendre quand les gens viennent chercher. Fait que, tu sais, ça prend beaucoup, beaucoup de monde pour faire ça. Alors oui, c'est très, très familial. Il y en a qui marchaient à marée basse avec des bâtons cloutés pour attraper les plis qui étaient échoués là. On posait des cages à moules à Port-au-Persil, puis les filets maillants pour la pêche au bord à Baie-Saint-Paul. Ah oui, il y avait des cages à sardines de l'île, puis les nasses de bois à Petite-Rivière-Saint-François pour les anguilles. Ici, au printemps, ça commence avec le petit caplan qui vient frayer. Donc, c'est pour ça qu'on le capture en grand nombre au printemps. Pas longtemps après, quelques semaines après, à la mi-mai, on a le hareng qui vient pondre et se promener dans les environs. Hareng de toutes les, de toutes les grosseurs, dont la petite sardine canadienne qui est en fait le bébé du hareng. Ensuite, ça dure peut-être jusqu'à la mi-juin, fin juin. Ensuite, il va arriver un petit peu d'éperlan par-ci, par-là. Et on finit avec l'anguille à l'automne. Il y a le grand corégone, c'est vrai, qui passe en juin aussi, mais en très petite quantité. Ouais, mais la liste est longue pour en avoir de ce grand corégone. Puis il y a plein d'autres espèces aussi qui passent, mais qu'on n'a pas le droit de vendre. Donc le barrier qui se présente aussi en très, très, très grand nombre de juin maintenant jusqu'à la semaine dernière, donc en septembre, le barrayer se présente dans nos filets. Ensuite, qu'est-ce qu'on remet à l'eau? Ah oui, il y a le poulamon aussi, j'ai oublié. Poulamon, printemps, automne, qui vient nous visiter aussi. Il y a la loquette d'Amérique, le chaboisseau qui passe. On a des petites crevettes grises qu'on remet à l'eau aussi. Fait que plein de petits poissons surprises de temps à autre là, qui viennent faire un tour dans nos filets. Une journée typique dans la période du caplan où c'est là qu'on a notre plus gros volume puis que c'est le poisson qui est le plus populaire ici. Une journée de pêche, donc sur 24 heures. Ce qui arrive souvent, puis je ne sais pas pourquoi, mais c'est la nuit que le poisson, il s'embête le plus dans les filets. Fait qu'on se lève, disons, vers 3 heures du matin. On fait la récolte.
de poissons pour ce qu'on a besoin comme demande. On peut y aller entre 8 et 3 000 livres par jour au départ. Donc, on prend ça, on met ça dans des contenants, on amène ça dans la chambre froide. Fait que là, 3 heures du matin, on a fini, il est peut-être rendu 4 heures, 4 heures et demie. Fait que là, on va faire soit un petit dodo, soit déjeuner, s'habiller parce qu'il fait froid, parce qu'on est au mois d'avril ou au mois de mai, puis il fait vraiment froid, fait qu'on va se réchauffer un petit peu. Ensuite, la journée commence, 6h30, c'est la vente qui commence. Donc, on vient en sachet ou mettre en plat, en contenant les petits poissons. On sépare parfois les mâles des femelles pour le caplan. Fait que là, les matantes viennent à la rescousse et les cousines. Puis là, on commence à faire la préparation. Vers 7h30, 8h, on se met sur le téléphone et on commence à appeler les clients. Donc, c'est ça, de 6h30 jusqu'à 6h30 le soir, c'est les appels téléphoniques pour les commandes du jour. Puis les clients qui viennent le chercher, donc la vente aussi. Ensuite, ben, vers 6h, 6h30, c'est terminé, avec souper, dodo. Puis on se relève à 4h, 3h30, 4h dans la nuit pour refaire le même scénario pour encore quelques semaines. De mes connaissances à moi, de ce que les gens pêchaient, les agriculteurs qui avaient une pêche, le caplan était utilisé pour manger comme ça, consommer d'emblée frais, ou pour engraisser les champs, parce que c'était vraiment un poison qui arrivait en grand volume. Le hareng aussi pouvait être utilisé pour engraisser les champs, mais aussi, comme ici, bien, dans ma famille du moins, là, il salait le hareng à l'automne, puis dans l'hiver, il dessalait une petite partie, il mettait au vinaigre, puis là, il pouvait consommer tout l'hiver là, du beau poisson gras là, pour la période hivernale. Fait que c'était une réserve aussi à long terme là, qu'il gardait dans le sel là, comme... agent de conservation pour la période hivernale. Donc, le caplan et le hareng servaient et pour l'agriculture et pour la consommation humaine. L'anguille aussi, c'est vrai, nous, l'anguille, il y en avait plus à l'époque. Et évidemment, je pense que c'est partout comme ça dans le fleuve Saint-Laurent maintenant. L'anguille aussi, tradition culinaire assez importante, là, où les gens faisaient les tronçons, le cuit au four et tout. Fait que oui, l'anguille était très... était prisé à l'époque. Nous, on avait des cages aussi, mais on n'était pas des grands pêcheurs d'anguilles. Mais je sais qu'à Petite-Rivière-Saint-François, par exemple, il y avait une belle pêche là, dans ce coin-là. Fait qu'il y en a qui étaient vraiment concentrés que sur l'anguille. Là. Ouais. La pêche récréative au caplan, ici dans Charlevoix, puis sur la côte nord jusqu'à cette île et passée encore, se pratique encore. Ici, sur la plage à Saint-Irénée, c'est vraiment, on dirait en plus là, que ça reprend vie. Il y a comme eu une petite accalmie là, dans les dernières années. Puis maintenant, là, les feux sur la plage en attendant le caplan, il y a des gens de Montréal qui m'appellent. Y es-tu arrivé? Si je descends en fin de semaine, je vais-tu m'attraper? Fait que là, ils veulent tous venir capturer du poisson, du caplan de façon récréative pendant qu'ils roulent, sauf que c'est tellement incertain. Moi, je peux pas garantir qu'il va rouler samedi soir à 5 heures, samedi matin à 5 heures du matin. Là, c'est impossible de garantir ça. Mais je pense que ça revient en vogue. J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus conscients de cette ressource-là. Ils n'entendent plus parler. Ils ont le goût de vivre l'expérience aussi, parce que c'est aux petites heures du matin. Bon, on fait des feux sur la plage, on capture le poisson, même les enfants, c'est intéressant. Fait que oui, la pêche récréative, à mon avis, va gagner en popularité dans les prochaines années. Là, le festival d'anguilles, ça commençait le samedi soir. Le samedi soir, là, c'était un bingo communautaire. La paroisse, ça venait, puis on avait du plaisir. Pour ça, le soir après ça, là, c'était une soirée d'amateurs. La soirée d'amateurs, chacun mettait ses talents. Il y en a qui jouaient de la musique, l'autre jouait d'accordéon, l'autre allait chanter, l'autre contait une histoire. C'était plaisant, c'était beau. Il y avait le concours de scie mécanique, celui-là qui était le plus vite. Pour ça, c'était des compétitions, là. Après ça, il y avait d'autres compétitions aussi, avec des scies, mais c'était des scies à ciotte qu'on disait. Là, c'était le souper traditionnel, en anguille, bien entendu.
Une vraie belle assiette, là. Puis après ça, ça continuait par la soirée dansant jusqu'au 10h du matin. Les danses canadiennes un peu dans ce temps-là, t'as plus les danses en ligne, là. Mais on avait du plaisir, franchement, là. Là, tu rencontrais des gens, tu faisais longtemps que t'avais pas vu, puis ça jasait dehors, puis ça se rencontre, des rencontres, puis... C'était l'activité de retrouvailles, comme on peut dire, là. Il y avait du monde, ça fêtait. Ben, on refusait du monde, que la salle était pleine d'habitants, c'était au-dessus de 400. C'était le plus gros rassemblement de l'année. C'était le plus beau temps. Les savoirs, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans la tête de mon oncle, puis de mon oncle, puis de mon oncle, puis de mon oncle, sur vent, marée, courant, les tempêtes, sur les poissons, sur la façon de faire des nœuds. My God, oui, faire les nœuds, c'est un cours, c'est un art de faire des nœuds qui tiennent. Fait que tout le savoir, c'est un savoir-faire qui on peut l'avoir juste en regardant puis en le faisant avec eux. Mais il n'y a pas un livre qui aurait pu me montrer à faire la pêche à la fascine ici. Parce qu'il y a une question de géographie, il y a une question de sol, il y a une question d'exposition au vent. C'est celle qui est ici est faite pour être ici, mais ailleurs, dans le village à côté, elle serait peut-être différente par rapport à la longueur de ses ailes, la hauteur et tout ça. Fait que c'est vraiment une personne qui a la maîtrise totale de son engin de pêche à l'endroit où elle le met. Nous, pour notre fascine à nous, on y est allé avec le port ici, ou la cage que nous, on appelle communément. Donc, il y a une boîte là, de 12 pieds par 20 pieds par 12 pieds de haut qui va servir pour la rétention du poisson. On a la grande aile ici qui se rend jusqu'au rivage et la petite aile de l'autre côté. Toutes les parties de la pêche ici, que ce soit la petite aile, la grande aile et la cage, sont amovibles. Donc, on peut, à l'aide de treuils, si on nous annonce des intempéries, on peut descendre au complet le système de pêche. Donc, la petite aile avec son treuil, la cage avec son système de treuils aussi, ainsi que la petite aile. De cette façon-là, tous les filets se retrouvent protégés des grandes vagues et ça nous permet de garder l'intégrité de nos filets. En somme, la cage en tant que telle est descendue à l'aide d'un tracteur de ferme. Donc, on descend, la cage est en un morceau au printemps, on la descend au complet et elle est fixée au sol. Là, il y a des ancrages qui sont là depuis longtemps. Puis pour ce qui est des poteaux, ceux-là sont assis, sont creusés et sont attachés avec des aubans, 4 aubans par poteau pour assurer leur maintien là, en travers les vagues et les marées. Les filets qu'on utilise sont des filets en fait en nylon qui servent pour la petite aile, la grande aile et toute la superficie de la cage. Il y a juste le plancher de la cage en fait qui est fait d'une grande plaque d'acier inoxydable. Alors c'est les filets qui vont nous permettre de retenir tous les petits poissons. Certaines cages sont faites avec des treillis métalliques par exemple. Puis auparavant, bien, c'était avec des branchages là, la grande aile, la petite aile et les cages étaient faits. Alors, le principe de la pêche à la fascine, la trappe en filet, c'est que ici, on a la rive. À marée haute, l'eau vient jusqu'ici. Donc, le poisson part du large en passant et se retrouve dans la baie ici. Quand l'eau se retire, donc à marée basse, à marée descendante, le poisson est confronté, se dirige directement dans la grande aile ici, qui va jusqu'au rivage. Donc, le poisson, en voulant aller vers le large, est redirigé tout simplement vers l'entrée de la cage, qui est tout petite, et se retrouve piégé à l'intérieur d'une cage qui a des murs en filet, donc 4 murs en filet, plus le plafond également. Si le poisson veut ressortir de la cage, l'eau a continué de descendre, mais il se retrouve coincé avec la petite aile ici et est encore une fois redirigé vers la cage. Et à marée basse, on peut aller visiter pour voir qui s'est coincé à l'intérieur.
Abonne-moi. Le caplan, la tradition, c'est vraiment frit à la poêle. Donc, enfariné, c'est le poivre cuit au beurre, à l'huile ou à la graisse. On les laisse cuire très longtemps jusqu'à ce qu'ils deviennent très croustillants. Puis, ils les mangent comme ça, là, avec patates bouillies ou salade fraîche. L'éperlan, il peut être fait de la même façon ou sinon en pâté à l'éperlan. Ça, il y a beaucoup de gens qui réservent d'avance. Je veux 50 éperlans pour faire mon pâté d'éperlan cette année. Donc, le pâté à l'éperlan, très populaire. L'anguille en tronçon, donc bouilli, ensuite cuit en tronçon au four avec oignons et légumes. Ça, c'est très populaire aussi. Puis le hareng, bien, mariné, c'est vraiment la façon traditionnelle là, de le manger ici. On a beaucoup de demandes pour ça, mais le petit filet de hareng mangé à cru pour la nouvelle génération est très, très, très populaire aussi. Pâté à l'éperlan, sincèrement, j'en avais jamais mangé. Mais cet été, bien, j'ai fait une espèce d'investigation à toutes mes clientes qui venaient chercher de l'éperlan. Puis je leur ai demandé leur recette, comment elles le faisaient. Il y en a que ça prend 2 jours faire un pâté à l'éperlan parce que là, il faut tout enlever les arêtes, la tête, les viscères, évidemment. Il y en a qui enlèvent même la peau. Il y en a qui le font cuire avant. D'autres ne le font pas cuire. Mais les ingrédients restent quand même similaires dans toutes les recettes qu'on m'a présentées. Donc, éperlan, crème, ciboulette ou oignon, c'est le poivre, c'est tout. C'est assez simple. c'est ça, tout le monde a sa petite recette. Il y en a qui font cuire les oignons avant, d'autres pas. Il y en a qui roulent les éperlans, ils les placent tout comme il faut, puis ils insèrent la crème après. C'est ça. Ouais, ben quand ils appellent pour l'éperlan pour faire les réservations, souvent, dans 50 % des cas, c'est « il faut que je fasse mon pâté à l'éperlan ». Ou des fois, si j'ai de la visite en fin de semaine, mon gars, il vient, il faut que je fasse un pâté, t'as-tu l'éperlan? Là, c'est comme, non, oui, je sais pas, je vais essayer de vous en avoir. Mais c'est sûr que dans 50 % des cas, c'est pour faire un pâté à l'éperlan. Quand mon oncle m'a dit qu'il arrêterait éventuellement, parce qu'il n'était pas arrêté, je ne sais même pas s'il aurait arrêté, parce qu'il n'est pas arrêtable, qu'est-ce qui serait passé si je l'avais pas pris? Ben il n'aurait pu parce que le permis que mon oncle avait à ce moment-là n'était pas transférable. Je sais pas de quelle façon j'ai réussi à l'avoir. Là, je l'ai, il est à mon nom, je le garde, mais moi on me dit que je pourrais pas le transférer pour l'instant. Parce qu'il y a un titre de pêcheur qu'on n'a pas là, qui s'est fait en 1986. Qu'on n'est pas au courant qu'il fallait qu'on fasse, fait que là, on s'arrête là. Mais on travaille là-dessus. Les prochaines années, pour la suite, pour longtemps encore, ce que j'aimerais, là, dans le meilleur des mondes, ce soit qu'il en pousse d'autres. C'est là que je vais pleurer, je te l'avais dit. Idéalement, c'est de garder... Bon, ce que j'aimerais qu'il arrive dans le futur, c'est qu'on garde du moins celle qu'on a. Donc, M. Mailloux et moi, dans Charlevoix, puis les autres pêcheurs sur la rive sud, si quelqu'un peut reprendre leur activité, bien, en tout cas, on serait 5, là, fait que c'est déjà bien. Idéalement, de se rendre compte que, au niveau gouvernemental, de se rendre compte que c'est un type de pêche qui n'a pas à être éteint parce qu'il est éco-responsable, parce qu'il est durable. C'est une pêche saine qui brise pas dans le tout. Durable, ça veut tout dire. Il n'y a pas de raison pour moi qu'il n'y en ait pas d'autres démis, des permis comme ça. Puis, en même temps, favoriser le développement des marchés locaux. Puis, tu sais, les poissons qu'on a ici, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il y a nécessairement à Rivière-Ouelle. C'est pas nécessairement ça qu'il y aurait juste ici, à Cap-Alègue, à côté, par exemple. Il peut y avoir plus d'éperlans, nous, plus du caplan, plus du hareng. Fait que, tu sais, il y a moyen de faire un beau, beau, beau setup de pêche avec ça, un beau marché à développer, puis de découvrir nos espèces de pêche là, qu'on a dans le fleuve Saint-Laurent. Les espèces de pêche, les espèces de poissons qu'on a dans le fleuve Saint-Laurent. Ouais.